Alors, Inter Rugby, Krabos, c'est ça. Une demi-heure, un beau match. Le RCT qui affronte Royal Canin. Voilà, les Drombois. Voilà. Alors, comment ça se prépare là? Comment ça s'est préparé cette semaine? C'est dur, hein, on s'échauffe là, on s'échauffe les pieds, les poignets. Et qu'est-ce que vous a dit le coach? Il y a du vent, donc il va falloir occuper les espaces libres avec un peu de jeu au pied pour oppresser les adversaires. Peut-être tenter un drop de 75 mètres actuellement. Il faudrait qu'on prenne le bonus offensif pour pouvoir se qualifier pour la finale. L'aile de pigeon. On va faire une petite Zlatan Ibrahimovic histoire de dire que on passe pour les phases finales. Mais bon, c'est intéressant. Sinon, après, petite interview, regarde le soleil. Regardez, filmez-les. Regardez comme ils sont costauds. Cette pièce qui sont gaillards, c'est Royal Canin. Désolé. Il y a eu chez Chila. Le rock vénère derrière. Il y a le 17 qui est déjà off. C'est Lucas Tristani, un jeune joueur du rugby club toulonnais. C'est ça, oui. En Krabos au RCT. Il a été sélectionné pour faire l'équipe de France B à Gloucester en Angleterre. Alors un petit mot sur votre petite prestation en Angleterre. C'était une expérience énorme contre les Anglais. C'était vraiment super. On a fait un super match. On a perdu. On a perdu 5-7. Mais c'était une superbe expérience. C'était vraiment énorme. Voilà. Vous retenez des bons souvenirs de ce petit trajet? Oui, on retient ce petit trajet. Ben, on retient la défaite, mais c'était une super expérience, on a rencontré plein de gens. C'est-il une fierté de porter le maillot d'équipe de France, le coq sur le oui. cœur? C'est énorme de porter le coq sur le cœur, de chanter le pilou-pilou avant le match. Et le moment, la Marseillaise, au moment de la Marseillaise, c'était comment? Un peu de sérieux, monsieur. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Vous étiez également avec Jesse Benboisa, Lucas Baccaro. Des joueurs qui sont présents sur le terrain Florian aujourd'hui. Florian Robert et Kevin Yameoko du Pôle Sport. Des joueurs qui sont présents aujourd'hui juste là, sur le terrain derrière nous. Lucas Baccaro, a-t-il fait une bonne prestation lors de ces deux matchs? Heureusement qu'il y avait les Toulonnais pour ce match-là. Je pense qu'on a apporté vraiment un plus dans le jeu. De l'agressivité toulonnaise, comment dire. Vous étiez combien à partir de Toulon? Oui. 4 joueurs, nous étions 4 joueurs. Vous étiez 4? 4 joueurs, oui. 4 et dont un de Nice qui est au Pôle Sport d'hier. Ouais, plus un de Nice, donc ça fait 5. Voilà, voilà. Et sinon, les entraînements au Pôle Sport d'hier, comment se passe-t-il? C'est vraiment super intense, on s'entraîne au moins une demi-fois par semaine. C'est vraiment super, on apprend vraiment le rugby, le football. Des fois, on fait du baseball, du ping-pong. Souvent du ping-pong. Un petit mot à faire passer pour Laurent Giry. Laurent Giry, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Lolo. Voilà, merci. Allez, Toulon. Allez, Toulon. Tournez tout. Tournez tout. Vous allez gagner. Vous êtes les plus forts. Et voilà. Vous êtes les meilleurs. Bisous. Je vous aime. Allez, ça y est, c'est fini. C'est national. Derrière, là. Viva Toulon, elle très grande des Toulon. Un petit bisou là tous les deux. Ouais, arrête. Un petit bisou pour Toulon. Non. Moi je suis un garçon marié. Alors ça va. Avec la langue ou sans la langue? Comme tu veux. Non, dégueulasse. Parce que Toulon. Rouge. Parce que Toulon. Noir. Parce que Toulon. Rouge et noir. C'est dommage parce que le garde de stade m'a apporté un message avec jacuzzi, femme, champagne. Non, c'était. Allez, c'est vous.
Eh mec, allez, gros match, allez les mecs, hein. Thank you.